Responsable l'hôpital là ou bien une autorité ou une protection civile. Nous pas aucun monde. Nous venons là quoi, il faut que nous ne nous. Alors studio, c'est comme ça bagalaye. Donc on a continué à faire nous tendre des réactions. Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche RSF et Jean qui est capable là, nous trouvons nous exactement dans ville Okaï, plus précisément dans niveau l'hôpital au Fatma ville Okaï. Jean qui nous a annoncé ça depuis hier soir, et ben n'a dit que gagne gros vent la pluie, dépression tropicale grasse qui commençait arriver sous pays là. Et ben n'a dit que avec gros vent la pluie ça qui devient compliqué situation monde qui déjà trouvé au niveau de l'hôpital qui blessé au niveau de l'hôpital au Fatma ou encore dans l'hôpital Immaculée Conception au Kay. Eh bien n'a dit que Jean Ken Kawea moun yo qui dit que c'est là où t'es dormi parce que n'a rappelé et là nous t'es venu là dimanche là n'a dit que moun yo à cause de l'hôpital là qui fissuré à cause de l'hôpital là qui fissuré, ils mettaient Mounio qui était dans la cour. Bon, hier soir, là, nous avons remarqué la pluie qui commençait à tomber. Nous avons demandé comment Mounio va le faire. Eh bien, c'est comme ça. Et Mounio dit au passé journée là, n'a pas dit que il y a un Mounio qui est obligé d'entrer en bas l'hôpital là qui fissuré. Là, j'en ai regardé, il est obligé. Et puis, il y a un tunnel qui est lié. Deux extrémités bâtiment et c'est là qu'il y a quelques monde. Mais nous quand même dire que malgré bâtiment fissuré, mounio qui pas gagne le choix, qui est obligé rentrer en balle quand même et avec tout risque que ça gagne la donne, nous quand même malgré bâtiment qui fissuré, mounio qui pas gagne le choix et yo obligé rentrer en balle malgré des monde qui blessé qui trouvé au niveau de l'hôpital au Fatma au Kay. J'ai que n'a gardé ensemble avec nous là. C'est que mis à part de tunnel ça qui relie deux extrémités et l'hôpital là, gagne une tente qui dans la cour, qui gagne quelques malades la donne. Mais faut me dire que nous avons une opération nettoyage qu'a fait au niveau de l'hôpital au Fatma au Kay. Mais qui vraiment pas fin tout en forme, mais quand même mounio là l'aine qu'on est gros vent qui était gagné hier soir, mounio dit c'est là il passé maintenant nous capable que gagne petit monde là tout et petit monde qui là yo dit c'est là il passé maintenant malgré arrivée dépression tropicale grasse au niveau de ville Okaï. Jacques Nabgadia, c'est comme ça, ça est au niveau de l'hôpital au Fatma, dans la ville au Kay. Nous allons aller au niveau de l'hôpital Immaculée Conception, mais on a lancé SES à un poteau électrique qui tombait et sous boulevard 4 chemins, exactement devant BNCA, tout près de l'hôpital Sacré-Cœur, dans la ville au Kay, appel pour EDH. Il y a un transformateur qui tombait avec tout un câble. Haute tension dans la rue et pour que yo capable d'arriver pour retirer même si pas gagne courant dans ville là, mais nous tiens à lancer appel là pour EDH au niveau de ville Okaï. Là on capable regarder et moun yo qui trouvé yo dans ral qui gagne au niveau de l'hôpital au Fatma Okaï malgré
l'hôpital là qui fissuré, j'ai qu'on a regardé là, malgré l'hôpital là qui fissuré, mon yo qui est obligé rentrer en bas l'hôpital là. C'est comme ça situation au niveau de l'hôpital au Fatma la ville au Caille. Et n'a souligné pour tout auditeur et auditrice encore et monde qui branché RSF que la pluie qui continue à tomber au niveau de ville au Caille, même si c'est pas et même gens t'a tombé depuis hier soir, mais n'a dit que la pluie qui continue à tomber au niveau de ville au Caille. Nous a quitté pour qu'on y a l'hôpital au Fatma, nous va aller au niveau de l'hôpital Immaculée Conception, ensuite d'après nous dans une localité de les Brevette et yo dit nous gagne monde qui encore en bas yon caill qui t'a tombé au niveau de ville au caill et yo t'a placé SOS by divers camarades la presse pour venir aider yo yo t'a placé appel nous va arriver là pour nous capable de vivre comment ça y est et là j'ai regardé là c'est devant l'hôpital au Fatma dans ville au caille bâtiment qui fissuré depuis après tremblement de terre là yo était obligé quitter yo était moun yo qui était obligé quitter bâtiment yo était prendre sous la croix et personnel l'hôpital là qui était metté moun yo sous la croix et eh bien pour qu'on y a là avec arrivée dépression tropicale grâce et vent la pluie qui commençait souffler dans ville là et eh bien nous dit que moun yo qui nous qui vraiment pas gain trop possibilité par l'autre côté pour y aller nous pas connait qui ça autorité sanitaire yo nous pas connait qui ça autorité sanitaire yo va le faire mais n'a dit que dans rentrer l'hôpital au Fatma gain nous remarqué plusieurs machines de organismes Nations Unies qui là et gain un peu le monde qui marchait tout près un peu le monde qui marchait tout près. Il y a une machine qui masse tout près là. C'est comme ça, ça y est, pour qu'on y a au niveau de ville au Caille. J'ai que n'a pas tout vu ça. Et n'a pas fait nous connaître à n'importe quel moment. Et n'a pas campé live là pour nous capables de permettre à l'équipe au Prince capable venir et capable en direct pour. Avec une conférence de presse que le ministère de l'Environnement gagne pour le bail et pendant la journée. Nous avons fait de l'autre commune, nous supposons aller au niveau de Akin, parce que nous plus les monde qui ont lancé SOS au niveau de Akin. Et si possible, pendant la journée, nous avons privé dans le niveau de la grandeur. Capable et permettre de vivre parce que l'accès au niveau de la grandeur c'était vraiment difficile. Il était vraiment difficile pour nous vivre au niveau de la grandeur. Donc, à cause de là qui va de bon au niveau rivière glace, comme par exemple, route là qui va de bon là, mais avec diligence, équipe travaux publics, nous avons d'après quelques confrères qui sont accessibles. Et dans le niveau femme barrière. Et nous allons arriver dans la ville là, nous pas prêter trop, nous allons aller dans l'hôpital Immaculée Conception. Nous avons gardé parce que hier soir, gens que nous étions là au niveau de l'hôpital Immaculée Conception, Mounio quitté, fait ça au capable et nous étions sortis en bas la vie. Nous allons aller dans la ville là pour faire tout vivre comme ça. Et maintenant, je dis que nous n'avons pas gagné le choix, qui était obligé d'entrer en Bakayo malgré que tu gagné un petit réplique, tu gagné réplique. Genre que ça y est, depuis après que nous étions là, au niveau de ville au Caille. Là, nous avons quitté l'hôpital au Fatma. Nous allons. Là, on a quitté rentrer l'hôpital au Fatma au Caille. Pour nous rendre au niveau de boulevard 4 chemins.
rendre nous au niveau de boulevard 4 chemins. Déblayage qui a fait là. Nous capable devant hôtel Le Mandier. Là, nous allons continuer au niveau de boulevard 4 chemins. Là, nous allons continuer au niveau de boulevard 4 chemins. Pour nous faire un niveau et puis. Nous avons un rappel nous capable de faire. Et pour nous, comparativement avec dimanche, on est que nous ne pouvons pas remarquer et pour la zone de travail essentiellement. Mais depuis là, nous remarquons très beaucoup d'hiver au niveau de Vilocaille. La pluie qui est toujours à fariner. La Fiat, toujours à Paris, un nouveau Vilocaille.
vanté. De l'âme de gabion. Là qui obstruer circulation qui empêcher machine de passer, mais si toutefois ça gagne un courant et qui capable de représenter un danger pour monde qui a présenté zone là, n'a rappelé pour EDH c'est devant BNCA qui trouvait lui exactement tout près de l'église Sacré-Cœur là. Au niveau Vilokai, la brûle la fait appel encore pour l'IA. Il y a un poteau électrique qui tombe avec le transformateur. Et tout sur le boulevard 4 chemins. Hein. Mais devant BNCA, j'ai que nous sommes capables. Oui, ensemble avec nous. Nous allons monter. Nous allons continuer sur le rue. Nous allons aller sur le rue à tout bout. Nous allons aller sur le rue à tout bout. Nous allons aller les 10 à tout bout. Que nous connaissons qui est tombé dans ce camion de terre là. On va continuer au niveau de Jean-Louis. On va continuer sur Jean-Louis. Pour nous aller au niveau de l'hôpital.
qui les protections au calme.